tous les amateurs d'extraordinaire et d'imprévu, à toutes celles et à tous ceux qui lisent le journal aussi pour y trouver des histoires, Pierre Véry et Maurice Renaud présentent Faits divers, une émission réalisée par Pierre Billard. Vous pourrez entendre ce soir une nouvelle policière de Claude Gével, La nuit du 15 juin, et Le petit courrier des amateurs de mystères et d'aventures avec Germaine Beaumont et Roger Régent. Une affaire criminelle a servi de point de départ à Claude Gével pour sa nouvelle La nuit du 15 juin, que nous allons avoir le plaisir de vous présenter ce soir. C'est à M. André Nancroix de Montpellier que nous devons le fait divers qu'il a relate. Le voici. Dijon, 28 juin. Le mystère le plus complet entoure la mort d'un veilleur de nuit, M. Émile C., âgé de 68 ans, dont le cadavre vient d'être découvert à son domicile, rue des Godrans, à Dijon. Le corps gisait entre le poêle et l'armoire, à côté du poste de radio fracassé. La police judiciaire est saisie de l'affaire. On le voit, c'est un point de départ classique, du genre de ceux qui furent développés tant et tant de fois depuis Émile Gaboriau, Conan Doyle et Gaston Leroux, dans tant et tant de romans policiers dont quelques-uns méritent le nom de classiques du genre et dont des milliers d'autres sont voués à un oubli justifié. Un mort, allongé sur un parquet, en forme de point d'interrogation, si j'ose ainsi m'exprimer. La police arrive, avec son armée de techniciens de tous ordres, et parfois, une silhouette toujours séduisante se profile discrètement dans l'embrasure, celle du détective amateur. Plus heureux que les fins limiers, comme on dit, de Scotland Yard ou du Quai des Orfèvres, il lui arrive souvent de dénouer les chevaux et de trouver la clé du mystère, toujours comme on dit. Mais Claude Gével, homme de talent et homme de métier, est aussi homme de malice. Dans la nuit du 15 juin, vous retrouverez assurément le commissaire Fautral. Vous le verrez mener bien sûr son enquête avec virtuosité et élégance. Mais Claude Gével a voulu offrir à nos auditeurs autre chose, quelque chose de plus. Il a trouvé et exploité, avec le bonheur qui lui est habituel, une situation inattendue, et fertile en conséquence, mais que je vous laisse bien entendu à deviner. Veuillez, s'il vous plaît, écouter La nuit du 15 juin. Robert Murzeau et Rosie Wart dans une nouvelle dramatique de Claude Gével, La nuit du 15 juin. Le café est infect. Même pas chaud. C'est pourtant pas difficile de le tenir au bain-marie. Bah, dis-le à Irma. Mais 20 fois, je lui ai dit. 20 fois. Mais cette fille... Bah, renvoie-la. Oh, elle ou une autre. Quand la patronne est toujours en train de courir je ne sais où... Nous y voilà. Je l'attendais. Quoi? La scène habituelle, chaque fois que tu pars en voyage. Oh. Ah, tu tiens à me laisser sur une bonne impression. Et comprends-donc que j'enrage de te laisser. Bah, mets-moi sous clé. Qu'est-ce qui t'empêche de venir avec moi? Oh, merci, j'ai fait l'essai. T'attendre derrière la porte de tes conseils de direction ou visiter un musée glacial et morne pendant que tu inspectes tes succursales... Je t'ai offert un poste dans mes affaires. Je ne suis pas une femme d'affaires. Ni d'intérieur. Tu es une femme d'extérieur. Je tâche de m'occuper. Tu as réussi. Heureusement. Si tu veux être à Dijon pour déjeuner... Eh, tu as raison. Il est l'heure que je m'en aille. Tu ne prends pas ta serviette? Non, j'ai préparé la mallette. La mallette?
Je compte profiter de ce déplacement pour une petite tournée dans la région. Mâcon, Auxerre, revenir par Sens, Orléans. T'attendais pas de rester seule cette nuit? J'aime pas beaucoup ça. Mais Irma est là et au besoin, je prendrai du gardénal. Je tâcherai d'être de retour demain. Pour déjeuner? Sans doute, oui. Je te téléphonerai. Oui, téléphone-moi ce soir. Comme cela, tu seras sûr que je suis bien à la maison. Et toi, que je suis bien en province. Ben, soyez attentionné. Récompense? Tu m'en veux d'être jaloux? Sans raison, oui. Sabine. Quoi? Ben, chacun sa façon d'aimer. Je ne trouve pas que la tienne soit très plaisante. Ouais, je suis une brute, je sais. Mais n'exagérons rien. Alors... Allez, au revoir. Ouais, au revoir. Le voilà parti. Une nuit. Oh. Oh, ce serait merveilleux. Ça vaut le risque. Oh, madame. Madame. Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur est parti. À l'instant. Je croyais bien l'avoir entendu. Parce que c'est contrariant. Qu'est-ce qui se passe? Cette dépêche, madame, qu'on m'apporte. Donnez, donnez. Mère très malade. Oh, ma pauvre fille. Le monsieur qui m'a dit qu'il ne rentrerait pas ce soir. Oh, c'est contrariant. Je peux tout de même pas laisser madame. Mais si, si, il faut aller auprès de votre mère, voyons. Madame n'aura pas peur, toute seule, la nuit? Non, au besoin, je prendrai du gardénal. Mon train est à midi. Eh bien, allez vous préparer. Oh, j'ai le temps d'aller faire les courses et puis cuire un petit poulet. Madame en aurait du froid pour dîner. Ah, c'est une bonne idée. Allez, dépêchez-vous. Mais je pars et je reviens. Pendant qu'il retira, je me mettrai en voyage. C'est ça, allez, oh. Allez. Je débarrasse le petit déjeuner. Non, laissez, je m'en occuperai. Madame, allez. Est bien bonne. Oui, allez. Oh, c'est contrariant, c'est ça. Mettre. Allez. Oh, miraculeux. Ici, tous les deux. Oh. Brave Irma, si reconnaissante. La voilà qui sort. Elle court. Bon. Allô? C'est moi. Écoute, un miracle. Je suis seule cette nuit. Je t'expliquerai, oui. Non. Non. Ici. C'est mieux. On en a tant rêvé. Toute une nuit. Oh. Viens. Dès le jour tombé. À pied, oui. Bien sûr. La porte sera contre. Je t'attendrai. Mon chéri. Oh mon chéri, je ne vais plus vivre. À ce soir. Mon chéri, comme je t'attendais. Tu as bien fermé la porte de la grille? Oui, je vais tranquille. Comment ne serais-je pas tranquille dans tes bras? Charles m'a téléphoné d'Auxerre il y a un moment. Et toi, tu n'as rencontré personne? Non, pas un chat dans la rue. La pluie, pas de lune, pas d'étoiles. Le ciel est avec nous. Tu peux le dire. Charles qui part en tournée d'inspection pour ne rentrer que demain. Et Irma juste appelée par télégramme auprès de sa mère. Mais ton mari ne t'avait pas prévenu? Il s'en garde bien. De peur que tu n'organises ta solitude. N'est-elle pas bien organisée? Regarde! Oh, Féric! Mais je n'avais pas vu cette table servie d'apron de dentelle, bougie. Tu ne vois jamais rien. Que toi? Comme menu, un poulet froid. Que cette brave Irma a eu la bonne idée de me préparer. Le champagne est dans le frigidaire. Devant cette table, j'ai l'impression que notre bonheur n'a été jusqu'ici que fait de miettes picorées sur un rebord de fenêtre. À table, monsieur! À vos ordres, madame! Ne gaspillons pas un temps précieux. Oh, mais non, gaspillons-le, au contraire. Pour une fois que nous en sommes riches. Oh, où vas-tu? Ah, je vais chercher le champagne. Attends. Dis, allume les bougies. Oui. Tu as ton briquet? Oui. J'éteins le reste? Oui, bien sûr. Et fais marcher le phono. Tiens, très, très bas. J'ai placé le disque que j'ai choisi.
quoi penses-tu? Tu as ton grand air triste. Que demain, il faudra de nouveau vivre séparés. Oh, un jour viendra, je te promets. Je fais tout ce que je peux. Je ne laisse pas échapper une occasion de scène, de disputer encore tout à l'heure. Il finira par s'enlacer. Aie confiance. Je sais ce que je veux. Ma Sabine. Mon Jean-Louis. Et maintenant, vite, trinquons à notre désir commun. À notre amour. À notre plaisir d'amour. Oh non, 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 sage, tout à l'heure. Quand nous aurons vidé cette bouteille jusqu'à la dernière coupe, tu me prendras dans tes bras et tu m'emporteras à demi grise, au premier, jusque dans ma chambre, notre chambre. D'une nuit. J'ai allumé un feu de bûche. Le 15 juin, c'est du luxe. Devant, j'ai tendu une fourrure noire. Où ton corps rose dort. Oui. La danse des flammes sera notre complice. Appuie doucement avec la couverture. Là. Tire à toi. Je me glisse. Et passe le carreau. Je recolle contre le mur bien calé à l'abri. Bon. Travail proprement fait. Mets la couverture sur la chaise au pied de l'escalier. Je t'ai fait la corde. Ouais, pose-la à côté. T'as compris la manœuvre. Si elle descend... Bah, espérons que non. Mieux vaut une précaution inutile que pas de précaution. Oh, j'aime pas ce métier. C'est du tout cuit. Un vrai boulot de père de famille. Alors repérons-nous. Salon à droite. Porte ouverte. Comme si on nous attendait. Pensez, princesse. Écoute. On a remué là-haut. Frousseur, mais qui veux-tu? C'est toi-même qui as entendu la bonne déboiser son histoire à l'épicière. Patron en voyage, mère malade. Et la pauvrette toute seule à pioncer comme un chérubin. Mais c'est du gâteau, je te dis. Allez, allez au boulot. Regarde. Là. Braque la lampe. Eh ben... Table servie, poulet, champagne. Deux couverts. Ça ne te dit rien? Bah que si. Ça me dit que la dame a profité d'être seule pour inviter son Jules à un petit souper d'amoureux. Il doit être encore là. Et alors? S'il entend qu'il descend. Tu me fais marrer. Y a pas de quoi. Oh les vaches, ils ont vidé la bouteille. Bah, tu t'installes. J'adore le poulet froid, moi. Moi, je te dis que c'est de la folie. Comprends donc. Je comprends que c'est une bénédiction. De l'inespéré, du miraculeux. Qu'on les vernis, quoi. L'aile ou la cuisse? Non, je pourrais pas. J'ai la gorge serrée. Mais rends-toi donc compte, petite tête. Primo, réfléchis à ce qu'ils sont en train de faire là-haut, nos deux lascars, hein. Et qu'ils sont bien trop occupés pour prêter l'oreille à ce qui peut se passer en bas. Ouais, y a du vrai. Bon, alors, secondo, que même si ça menait le Jules, crois-tu qu'il serait très disposé à faire le mariole ou à appeler police secours? Il suffirait de lui expliquer bien gentiment qu'il a tout intérêt à remonter s'occuper de son petit boulot au premier. Et à nous laisser faire le nôtre. Ouais, bien sûr, t'as pas tort. Ils doivent pas tenir à la publicité. Hé, hey, mange pas tout. Passe-moi la cuisse que tu cousais tout à l'heure. Ouais, bravo, l'appétit revient. N'oublie pas qu'ils ont aussi à cuver leur champagne. Oh les vaches, boire toute la bouteille. Bah, il y en a peut-être une autre au frigo. Puisqu'on est tout ce qu'il y a de pépère, allons voir. Au besoin, on se contentera de gros quittages. On n'est pas du fussu. Ah, attends, la cuisine, ça doit être de l'autre côté de l'escalier. Oui, mon cœur. J'y vais voir. Eh ben, te voilà tout truc gaillard, hein. Tout de même, n'illumine pas, prends la torche. Pourquoi? Puisque tu le dis, il n'y a plus de danger. On peut y aller carrément. Enfin, tout de même, quoi. Non. Quoi? Vite. Ben alors, tu trouves pas ton chemin, t'as des fois dans le noir. Pourquoi t'as éteint? On a marché dans le jardin. Tu crois? Sûr. Et quelqu'un qui marche sur la pointe des pieds. C'est en passant par la fenêtre ouverte que j'ai entendu. Il compte. Ouais. Qui ça peut être? Il prête la porte. Un collègue, peut-être? Non. Il a la clé. C'est le type de la maison. Marie. Oh, bah, ben, des chances. Ah, tu nous as mis dans de jolis draps. Bah, et eux? Qui eux? Bah là-haut, pense à eux. Au drap où il va les trouver. Oh, sans nous. Qu'est-ce qu'on fait en filant douce? Bah, idiote. Dès qu'il est sur la première marche, la couverture.
et aussitôt la corde. Oh, c'est pas ce métier. Allez, 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 j'y. Qu'est-ce que... Au secours! Tant pis, monsieur veut faire le méchant. Bon, allez, passe-moi la chaise. Là. Tranquille, il gigote plus. Bon, à ficeler, alors la corde, vite. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, bah tout doux, mignonne. Hein. Qui êtes-vous? Vos sauveteurs, pas plus. Ah, je vous préviens, je suis armée. Il l'était aussi, lui. Qui? Votre mari, poupée. Mon mari? Revenu en douce pour vous surprendre. Oh. Vous pouvez l'apercevoir, ce paquet ficelé en bas de l'escalier. Assassin! Vous l'avez tué? Endormi, endormi seulement. À côté de lui, vous pouvez aussi apercevoir son flingue qu'il a laissé tomber. Oh, mon Dieu! Oui. Sans nous, grabuge là-haut. Vous nous devez une fière chandelle, hein? Je ne comprends pas. Oh, non, allons. Un enfant comprendrait. Je ne vais pas discuter d'égapissé. Non, doucement, doucement, hein? Un service pareil, ça se paie. Je vous laisse filer, n'en demandez pas plus. Ben, c'est justement... On demande plus. Quoi? Vos clés. Pour m'éviter de fracturer vos tiroirs et vos coffrets. Vous ne pensez pas que je vais vous aider à me cambrioler, tout de même? Mais le temps commence à passer, votre mari peut se ranimer. Si nous étions encore ici, nous et... L'autre, là-haut, ça ferait du vide, hein? Fernand a raison. Faut faire vite. Allez, donnez vos clés. Dans mon sac. Là. Bon. Il vous reste plus qu'à monter bien sagement dans votre chambre. On doit vous y attendre avec impatience. Dans une petite demi-heure, redescendez, nous serons loin. Alors, votre petit copain l'aimait à son tour sans se faire repérer. Vous rangez ce qu'il y a rangé, souper, bouteille... Et après, dodo. Vous levez demain, fraîche et souriante, au matin, n'ayant rien vu, rien entendu. Vous trouvez le pauvre homme jurant dans sa couverture, vous le déficelez, constatez les dégâts et le tour est joué. Et mes bijoux envolés. Ah ben ça, dame, petite rançon. Vous vous en tirez à bon compte. Ah, un petit conseil encore. Évitez de donner des renseignements capables de nous faire identifier. Nous et vos bijoux. Confrontation, interrogatoire, dangereux. On ne sait jamais ce qu'on est amené à dire. On ne voudrait pas vous faire du tort, pas. Puisqu'on est de mèche, hein. Allez, remontez au premier. Et pas de blague. Oh, oh, si vous ne me teniez pas. Mais on vous tient. Sans au revoir. Oh, elle n'a pas l'air contente. Allez, maintenant, on travaille en vitesse. Donne-moi les clés. Je te disais bien que c'était du travail de tout repos. Madame Telfort, 26 Villa Maillot. Excusez-moi, les sanglots. Telfort, comme Denise. 26 Villa Maillot, oui. Ah, docteur, vite. Je viens de trouver mon mari assassiné d'un coup de revolver. Commissaire Fautral. Entrez. Le docteur vient d'arriver. Oui, je l'avais fait prévenir. Alors, docteur. Monsieur Delfort est mort d'un coup de revolver en plein cœur, tiré presque à bout portant.
Je ne suis pas médecin légiste, mais d'après la rigidité du cadavre, il doit avoir été tué il y a 7 heures environ. Vers 2 heures du matin. Oui, à peu près. Je vous signale aussi qu'il porte au crâne la trace d'une forte contusion. Une chute ? Non, je ne crois pas. Plutôt un choc produit par un instrument non tranchant, du bois. Merci, docteur. Oh, pauvre Delfort, si solide, si bon vivant. Vous le connaissiez ? Le docteur a soigné ce pauvre Charles l'an dernier pour un sonat très douloureux. Avec un dévouement. De voisin, oui. J'habite quelques maisons plus bas. Oui, je sais, c'est pour cela que j'ai eu recours à vous. Vous ne devriez pas rester debout, asseyez-vous, madame. Tenez, allongez-vous. Non. Ah, si, après une telle émotion. Oh, immobile, il me semble que je deviendrai folle. Vous sentirez-vous, madame, la force de répondre à quelques questions? Je prendrai sur moi, il le faut. Il faut arrêter ces monstres. Ce qui m'effraie, c'est la nuit. La nuit prochaine. Puis-je vous demander, docteur, de me faire une ordonnance pour un tube de gardiennage? J'en avais ordonné à M. Delfort, si je me souviens. Oui. Oui, restez 2 comprimés. Je les ai pris hier soir. Hélas, pour dormir. Par peur d'avoir peur seule. Oh, quelle faute. Oui. Tout est ma faute. Sans cela, j'aurais entendu. Je serais intervenue. J'aurais empêché. Oh, quelle horreur de se sentir responsable. Calmez-vous, chère madame. Le mieux dans l'état où vous êtes serait de prendre toutes les 2 heures le quart d'un des comprimés que je vais vous prescrire. Merci, docteur. Je vous cherche de quoi écrire. Votre impression, docteur, puisque vous avez connu les Delfort, un bon ménage? Oui, excellent. Autant qu'on puisse en juger d'après les apparences. Madame Delfort a donné à son mari les soins les plus assidus. Vous n'êtes venu dans la maison que pour ce zona dont vous parliez? Non, j'ai eu à m'occuper aussi de leur domestique qui faisait une petite congestion pulmonaire. Madame Delfort a refusé de l'envoyer à l'hôpital et l'a soignée ici elle-même. C'est une femme de grand cœur. De tête aussi, il me semble. Intelligente, oui. Quelle épreuve pour elle. Excusez ma pauvre tête, je n'arrivais pas à trouver le stylo. Oh, ce doit être pour moi, vous permettez, madame. Je vous en prie. Merci, je vais ouvrir. C'est ma secrétaire que j'ai priée de me rejoindre ici. Oui, c'est elle. Ma secrétaire. Ma secrétaire et ma femme, elles cumulent. Voici, madame, cette potion hors pape qui soutiendra votre système nerveux et 1/4 de ces comprimés toutes les 2 heures qui vous assureront un sommeil paisible. Je n'ose y croire. Si vous avez besoin de moi, chère madame. Merci. Au revoir, commissaire. Au revoir, docteur. Avant tout, madame, vous rappelez-vous avoir déplacé quoi que ce soit ici? Rien. Rien. Quand j'ai découvert le corps de Charles, je me suis penchée, j'ai pris sa main. Elle était si lourde, si froide, que je l'ai laissée retomber. J'ai dû crier, je ne me rappelle plus. Je me suis jetée sur le téléphone. Préférez-vous répondre à mes questions ou me dire ce que vous savez? Je sais si peu de choses. Mon mari est parti hier pour Dijon. En voiture? Oui. La Peugeot qui est devant la porte? Sans doute. La domestique appelée par dépêche auprès de sa mère malade. Vous avez ce télégramme? Non. Non, elle l'a gardé, mais j'ai l'adresse sur un carnet dans mon sac. Jacqueline, veux-tu la chercher? Vous disiez, madame? Je me suis trouvée assise, seule ici. L'après-midi, je ne suis pas sortie. Le soir, j'ai pris 2 gardénales qui me restaient pour dormir. La peur d'avoir peur. Oh, je me le reprocherai toute ma vie. J'ai dormi comme une souche. Et vous n'avez rien entendu? Rien. Rien, ni cette vitre cassée, ni le coup de revolver? Rien. Tout le malheur est là. Vous n'avez pas l'habitude de prendre des soporifiques? Mais jamais. Oui, ça explique. Mais pendant les autres voyages de M. Delfort... C'est la première fois qu'il n'était pas arrangé pour rentrer le jour même. Oui, M. Delfort était bien le directeur des magasins à bon prix. Directeur propriétaire, oui. Merci, Jacqueline. Irma Sorrente, Milly. Bien. Oui, c'était prévu sans être grande vin. Tiroir vidé, vitrine ouverte. Pourquoi, madame, ne pas avoir parlé de ce cambriolage? Quelle importance à côté du reste. Bien sûr. Pourtant, c'est en recherchant les cambrioleurs qu'on a la chance de trouver les assassins. Mais c'est juste.
Mais je vous l'ai dit, ma pauvre tête ne fonctionne plus. J'ai du mal à joindre deux idées. Si vous croyez... C'est l'évidence, madame. Un ou deux individus se sont introduits chez vous par cette fenêtre pour voler. Revenant dans la nuit, votre mari les a surpris. Il y a eu bagarre et meurtre. Histoire d'une terrible simplicité. Mon mari était très grand, très fort. Il ne se serait pas laissé faire. Et sans doute, ce sont ou ces agresseurs l'ont-ils assailli par derrière. Cette couverture qui est par terre, vous la connaissez? Non. Elle a servi à l'encapuchonner, le procédé est classique. Alors un coup sur la tête pour l'étourdir et cette corde pour le ficeler. Mais pourquoi le tuer s'il était rendu inoffensif? Ah, il est probable que M. Delfort se sera ranimé, aura fait sauter son lien. Ou, tenez, il l'aura limé contre un morceau de vitre cassé. Ah, je comprends, oui. Quant au revolver... Il me semble que c'est le sien. Il l'aura sorti de sa poche, l'autre a pu s'en emparer et tirer. N'avoir rien entendu, oh, c'est incroyable. Votre chambre est... Au premier, oui. La distance, les oreillers où vous étiez enfoncés, le gardénage, c'est normal. Quel sentiment de honte j'éprouve. Dominez-vous, madame, dites-vous que seuls les renseignements que vous nous donnerez permettront d'arrêter le ou les coupables. Je vous ai dit que je... Il s'agit de vos bijoux. Pouvez-vous nous décrire ceux qui vous ont été volés? Je vais tâcher. Ah, c'est très important. C'est grâce à eux que nous avons une chance de mettre la main sur le voleur le jour où il voudra s'en débarrasser. Oui, oui, je vois, oui. Bon, alors, comme pièce importante, note Jacqueline. Eh bien, il y avait un collier. Un collier de... Oh, je suis fatiguée. Le nom m'échappe, mais... De ces pierres vertes... Des émeraudes. Oui, oui. Toute la parure, le collier... Une grosse broche ronde, des boucles d'oreilles en pendeloque. Montée sur or? Non, non, un métal blanc du platine. Et avec cette parure? Un clips. Oui, une gerbe liée par un nœud de diamant. Chaque épi étant terminé par un rubis. Je vois, je vois. À part cela? Une bourse. Une grande bourse en maille d'or. Et puis une barrette de diamant. Pas de bague? Non. Non, je ne pense pas. J'ai un solitaire assez gros, mais je le garde jusqu'au moment de me coucher. Il doit être sur ma table de chevet avec mon bracelet-montre. Et comme argent? Oui. Il y avait toujours dans ce tiroir une centaine de billets pour les frais de la maison. Vous laissiez vos clés sur les tiroirs et ils ne sont pas forcés? Non, le trousseau était dans mon sac et je l'avais oublié sur le bureau. Cette vitrine contenait votre argenterie? Oui, des plats, des aiguillères. Ne vous fatiguez pas à me les décrire, la casse rend tout cela méconnaissable. Je me sens en effet déjà si fatiguée, commissaire. À bout. Montez-vous reposer dans votre chambre, madame. Merci. N'ayez pas peur, je laisserai un de mes hommes ici. Donnez-moi l'ordonnance du docteur, merci. Tenez. Merci. Je vais vous faire acheter ce produit. Je ne sais comment vous remercier, commissaire. En cherchant dans le calme tout ce qui peut aider notre enquête. Hélas, je crains bien que... Moi aussi, je crains bien qu'elle ne soit guère facile, cette enquête. Les histoires trop simples, je me méfie. Pas d'empreinte digitale. Naturellement. Ni sur les meubles, ni sur l'arme. Le cinéma nous aura compliqué la vie. Mais qu'est-ce que tu m'apportes, Jacqueline? Ce bout de vitre? C'est vrai. Elle est découpée au diamant. Alors pourquoi s'est-elle brisée? Curieux. Enfin, un peu d'anormal. Réfléchissons. À quoi s'accrocher? Tout n'est peut-être pas si simple. Qu'elle n'ait rien entendu, bizarre. Enfin, admettons. Tout ce qu'elle dit est plausible, prouvé, rien ne cloche. Sang-froid étonnant malgré tout. Pourtant, je sais qu'à un moment, j'ai eu une légère impression de gêne. Toi aussi, je parierais. Mais oui, je me rappelle. Quand elle ne retrouvait pas ce nom d'émeraude. Pourtant, une parure de spree... Hein? J'ai tiqué. Ah, tiens, tiens, les voilà, ça peut être nos amis d'identité judiciaire. Rentrez, rentrez.
Prenez-moi le plus de cris, c'est possible. Moi, je vous laisse travailler. Hein? Si vous avez une découverte sans ça, sans me communiquer, il y aura une maison en faction dans la rue. D'accord. Il sera où me joindre. Bon, et bien, Jacqueline. Me diras-tu pourquoi tu veux me faire entrer dans ce magasin? Ah, à bon prix, je comprends. Bon, je verrai. Soit, je te suis. Mais voyons, Jacqueline, qu'est-ce que nous avons à faire au rayon joaillerie? Ça n'est pas l'époque des étrennes. Tu abuses de ma bonne volonté. Alors. Mademoiselle. Cette gerbe dépiliée par un nœud de diamant. Celle-là, là, c'est combien? Notre tout dernier modèle, 825 francs, monsieur. Merci. Ce n'est pas cher. Madame réfléchira. Merci, mademoiselle. Merci. Évidemment, c'est ce bibelot qu'elle nous a décrit. Oh, tu es surprenant de l'avoir repéré. Mais pourquoi? Pourquoi ce mensonge sur ces bijoux? Il faut savoir... Ah non, ce serait... Et pourtant... Écoute, Jacqueline, tu vas partir à Milly. Il faut que tu me ramènes la bonne, cette Irma se rende, toi-même, avant qu'elle n'ait pu voir personne, et le plus tôt possible. Je te conduis à la gare de Lyon. Entrez, mademoiselle, entrez. Voilà. Je m'excuse de vous avoir fait venir d'urgence dans des circonstances si... Oh, la mère allait mieux. Puis quand j'ai su qu'il s'agissait de la patronne, j'ai pas traîné. Parfait. Vous êtes très dévouée à Madame Delfort. Elle, oh, c'est un ange du bon Dieu. Douce, pas exigeante. Et ce pauvre monsieur, oh, c'est affreux. Vous l'aimiez bien aussi? Oh ben, c'est pas la même chose, un homme passe... C'était un bon ménage? Pas plus mauvais qu'un autre. Avec les chipoteries habituelles, quoi. Faut dire que M. Charles était assez rogue, jaloux. Ah, sans raison. Oh, ça, grand Dieu. Eh bien, mademoiselle Irma, si je vous ai fait venir, c'est que vous pouvez aider la justice. Ah, si je peux. D'abord, êtes-vous sûr de n'avoir parlé à personne de votre départ précipité, de votre ennui à laisser Madame Delfort seule? Bon, à personne. À qui voudriez-vous? Cherchez bien. Ah, ben... Il y aurait qu'à l'épicière quand j'ai été acheter mon poulet. Bon, mais l'épicière, n'est-ce pas, c'est... Oui, bien sûr. Pourtant, rappelez-vous, y avait-il du monde dans la boutique? Oui, il y en a toujours, c'est une maison très bien fournie. Oui, je veux dire des personnes qui auraient pu vous entendre. Ah, oh, ben ça, n'est-ce pas, moi je causais à la caisse pendant qu'on me le préparait, ce poulet. Donc, quelqu'un a pu prêter l'oreille. Bon, on verra de ce côté-là. Autre chose, vous savez que Madame Delfort a été cambriolée. Ah, oui, la petite dame m'a dit. Si c'est pas malheureux. Vous deviez connaître les bijoux de votre patronne. Madame, oui. Le sac en or, la barrette en diamant, la parure d'émeraude. Comment que vous dites? Ah non, je connais point tout ça. C'est au cas où le voleur voudrait s'en défaire, vous comprenez? Je commence à comprendre surtout que vous voulez me tirer les vers du nez. Suffit, je la boucle. Rassurez-vous, vous ne m'avez rien appris que je ne savais et rien dit qui puisse nuire à votre patronne. Jacqueline, tu vas prendre la voiture pour reconduire mademoiselle Irma à Neuilly. C'est pas de refus, mais je la préviens, la petite dame. Elle aura beau faire sa sucrée, je ne l'ouvre plus. Te voilà prévenue. Voudras-tu avertir Madame Delfort que je me permettrai d'aller la voir cet après-midi? Madame.
Bonjour, commissaire. Vous venez prendre de mes nouvelles. C'est gentil, merci. Je me sens tout de même moins anéantie qu'hier. Je m'en réjouis, madame. Je récupère assez vite. Et alors, où en êtes-vous de votre enquête? Pas très loin. Je recherche du côté des personnes qui ont pu être alertées par les propos de votre domestique. À l'épicerie, oui. Mmh. Oui, Irma m'a raconté. Comme elle m'a dit aussi que vous l'aviez interrogée sur les bijoux qui m'ont été volés. Mais comment les aurait-elle connus? J'avais dans ce tiroir des bijoux de famille que je ne mettais jamais. Si démodés que je pensais toujours les faire remonter. Je ne m'y décédais pas en souvenir de ma mère qui les aimait ainsi. Mais pourtant, ce clip, ce qu'on vous a volé... Oh, ça, c'est autre chose. Quand j'ai appris qu'il avait servi de modèle à mon mari pour la camelote de ses bazars, il n'était plus question pour moi de le porter. De quoi aurais-je eu l'air? D'une réclame? Je comprends. Espérons que ce sera lui qui nous mettra sur la bonne piste. Oui. Ah, commissaire, puis-je vous supplier d'abréger toutes ces formalités? Je voudrais pouvoir enterrer au plus vite mon pauvre mari et... Excusez-moi de lier ces deux questions. Faire remettre ce carreau. Comptez sur moi, madame. Merci. Oui. Elle récupère. Demandez, monsieur le directeur. Bonjour, Fautral. Asseyez-vous. Je voudrais vous parler de l'affaire Delfort. Comme ça se trouve, monsieur le directeur, moi aussi. Et votre enquête dure depuis bientôt 2 semaines. Où en êtes-vous? Nos indicateurs ordinaires n'ont encore rien transmis. Il faut donc attendre pour les auteurs du vol qu'ils se démasquent par une forfanterie ou une maladresse. Quant à ceux du meurtre... Est-ce que vous me chantez, ce sont les mêmes? Ce n'est pas sûr, monsieur le directeur. Allons, vous l'expliquiez dans votre premier rapport avec une lumineuse clarté. Oui. Depuis, de menus faits m'ont donné à réfléchir. À imaginer. Si vous voulez. Je vous écoute. Et le retour du mari, d'abord. Il ne devait revenir que le lendemain. Il avait même retenu sa chambre à l'hôtel d'Auxerre, j'ai vérifié. Et soudain, cette décision de rentrer en pleine nuit. Eh bien. Un accès de jalousie, sans doute. Mais une jalousie capable d'un tel accès n'est pas sans raison. À moins qu'il ne s'agisse d'un piège prémédité. Et cela implique une raison bien plus précise encore. Alors rien ne vous autorise à prétendre que Madame Delfort... Et rien ne m'autorise à le nier. Élégante, coquette, elle s'absentait souvent dans la journée. Vers d'imprécises distractions. Élégante et coquette, c'est normal. Si vous avez un soupçon précis, dites-le. Les Delfort avaient un familier. Jean-Louis Derieux. Sous-directeur de la chaîne des magasins à bon prix. Normal encore. Oui, comme est normal sa nomination au poste de directeur, est normal aussi le fait que ce monsieur a quitté son domicile assez tard dans la soirée du 15 juin, pour ne rentrer que fort avant dans la nuit, prétextant qu'il avait rendez-vous chez une amie, dont il se refuse à révéler le nom. Hein. Vous l'avez interrogé? J'ai cru devoir enquêter sur tous les habitués de la maison. Ah bon, je comprends. Quoi donc? Non, je vous le dirai. Continuez votre petite histoire. Elle est très simple. Le mari surprend les cambrioleurs. Ceux-ci l'immobilisent, l'empêchant ainsi d'atteindre la chambre vers laquelle il se dirigeait. Revolver en main. Signalé service rendu à une épouse en compagnie de son galant. Pure hypothèse. Qui seul explique la gêne de Madame Delfort à décrire les bijoux qu'on lui a volés. Et ses mensonges probables à ce sujet. Elle ne tient pas à ce que les cambrioleurs soient trouvés. Et pour cause. Comprends pas. Seul par la suite, avec le mari ficelé, groggy, les amants allaient-ils laisser échapper une occasion pareille? Le crime serait mis sur le compte des visiteurs professionnels. Et voilà toutes les places qu'occupait M. Delfort dans ses affaires et dans sa maison, libérées au profit de M. Derieux. Je ne serais pas étonné que dans pas très longtemps, on apprenne un mariage significatif. Qui serait des plus normaux aussi? Mais qu'avez-vous pour étayer votre accusation? Accusation, non. Pas encore. Disons supposition. Pour l'étayer, un morceau de verre. Quoi? Oui. Les auteurs du vol sont entrés dans la pièce par un carreau qu'ils avaient découpé au diamant. Comment t'expliquer qu'on ait retrouvé cette vitre en morceaux? Accident. Improbable, c'était des spécialistes, ils l'avaient sûrement garée. Qu'est-ce que ça prouve? Mais qu'elle a été cassée par la suite. Pour que ce soit vraisemblable que M. Delfort ait pu scier la corde qui le liait contre un morceau du verre, et cela afin qu'il puisse se débarrasser de la couverture où il étouffait, se relever, menacer, puis soit terrassé et tué. Ça tient.
C'est bien votre avis, monsieur le directeur. Oui, mais à condition que nous prêtions un machiavélisme bien extraordinaire, bien improvisé, surtout à deux personnes du meilleur monde que rien ne nous permet de soupçonner. À défaut de preuve, les présomptions... Non, faudra... Non, vous ne nous voyez pas envoyer ces gens au juge d'instruction avec un morceau de verre cassé comme pièce à conviction et une hésitation à décrire de vieux bijoux comme preuve. Non, nous ferions rire de nous. Vous avez trop d'imagination, faudra les en prêter trop généreusement aux autres. Non, croyez-moi, tenons-nous-en aux cambrioleurs assassins. On commence du reste en haut lieu, où Madame Delfort a de puissantes relations, à trouver légèrement déplacés vos interrogatoires et suspicions envers des personnes d'une respectabilité parfaite. Et l'on vous a chargé de me le signifier, monsieur le directeur. J'ai compris, c'est ça que vous aviez à me dire. Tenez-en compte, Fautral. Je m'y efforcerai. Lis ce faire-part, Jacqueline. Oui. Sabine Delfort et Jean-Louis Derieux se sont mariés ce matin à la mairie du 16e dans la plus stricte intimité. Tout est bien qui finit bien. La vertu est récompensée. L'affaire est classée. Non. Non, Jacqueline, ne t'indigne pas. Je t'ai promis que l'affaire n'était pas classée, ni pour eux, ni pour moi. Je tiens toujours mes promesses. Figure-toi que ce matin, lorsque les nouveaux conjoints allaient monter dans leur voiture, ils ont vu surgir devant eux... Vous, commissaire? Mais de voir, madame. Jean-Louis, je ne sais pas si tu connais le commissaire Fautral. J'en ai entendu parler. En mal, j'en suis sûr. Comme d'un incapable, hélas. Mais si. Enfin, ne parlons plus de cette triste histoire, un tel jour. Oh, mais quelle coïncidence, croyez-vous? J'avais affaire à cette mairie, juste ce matin. Je sors, je vous vois. Je vous arrête. Comment? Oh, le commissaire aime à plaisanter. Si l'on peut dire, c'est vous qui m'interrompez. Je vous arrête au moment où vous alliez vous engouffrer dans votre voiture, car je n'avais pas laissé échapper cette occasion de vous exprimer mes félicitations. Merci. Toutes mes félicitations. Oui, un grand jour pour vous. Un beau jour. Merci. Adieu, commissaire. Au revoir, madame, monsieur. Salut. Tu viens, Sabine? Crois-moi, Jacqueline, il n'était pas joli à voir. Blond, peur, de rage aussi. Mais cela n'est rien. Pour eux, moi, je vais rester un symbole. Un fantôme. Un épouvantail encombrant. Mais il y a pire. Un pire pour lequel j'aurai besoin de toi, de ta surveillance discrète. Car il s'agit d'une menace qui va empoisonner leur existence jusqu'à ce qu'elle se réalise et amène enfin leur vrai châtiment. Crois-moi, c'est inéluctable. Ils savent bien qu'un jour ou l'autre... Madame. Quoi? Ou monsieur. Ou les deux, comme il m'a dit. Un individu, qui ça? Un grand type. Il a un drôle d'air. Bah, demandez-lui son nom. Bah, il n'apprendrait rien à madame et à monsieur qui m'a répondu. Mais alors qu'ils disent de quoi il s'agit? Personnel. Il se prétend sûr d'être reçu. Bon, eh bien, fichez-le à la porte. Et s'il insiste... Non, tu as tort. C'est peut-être un de tes employés. Faites entrer, Lucie. Bien enfin, chérie, je t'assure, il aurait mieux valu... Non. Ne nous jouons pas la comédie, Jean-Louis. Nous n'avons pas le temps. Tu as deviné comme moi. Cette visite était fatale. Nous aurions dû fuir dans un autre pays. Entrez, monsieur. Monsieur, qui êtes-vous, d'abord? Alors, on reconnaît plus ses amis? Qu'est-ce que vous voulez? Dites vite. La petite dame est plus raisonnable. Nous avons tenu nos engagements. On vous a laissé en paix. Vous avez été payé. Je me suis payé. Grassement. Pas mal. Mais dans ce métier, il y a tant de pertes. Et nous n'aurions rien à gagner à revenir sur cette histoire. Vous, peut-être, moi, si... Non, détrompez-vous. Nous n'avons plus rien à redouter de vos révélations. Mon pauvre mari est mort. Je sais, justement. Vous avez réglé le fric-frac qui vous a sauvé la mise, mais reste l'assassinat. Et justement, comme vous dites, il aggrave votre cas.
Hein, si Monsieur Delfort est décédé des suites de vos brutalités. Minute. Je suis renseigné. Coup de revolver. Oui, assez discuté. Si vous avez en tête un chantage, c'est raté. Allez, décampez qu'on ne vous voit plus ici. Pourrez-vous en cuire. Bon, bien. Moi, je venais en ami, tout prêt à ce qu'on s'arrange ensemble. Et vous croyez que c'est agréable de penser pour un l'assassin? Personne n'a su. Si, moi. Et ce que je peux penser de moi, ça compte. Ma réputation vis-à-vis de moi-même. Faut-elle quand? Non, mon ami, vous n'allez pas vous colquer avec cet homme. Oh, mais soyez tranquille, mignonne. Il y a eu assez de cases. Je vais les mettre. Mais auparavant... Mais ça, c'est... Je vous interdis de vous installer. Tout doux, tout doux, tout doux, tout doux, tout doux. C'est pour lire un petit récit que j'ai écrit. Oh, anonyme. J'ai pas de prétention d'auteur. Il arrivera demain au quai. Celui des orfèvres. Et il ne manquera pas de les intéresser là-bas. Hmm? Tiens, 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 tiens. Vous voilà bien sage, hein? Je vous l'avais bien dit qu'on finirait par s'entendre tous les trois. Alors, vous m'écoutez? Oui. Oui? Bon. Ça s'appelle La nuit du 15 juin. Madame, il y a là trois messieurs et une dame qui demande à vous parler. Commissaire Fautral, excusez-moi de vous déranger. Les bras en l'air, s'il vous plaît. Ah, Fernand! Une vieille connaissance. Jacqueline fouille ce jeune homme. Je l'ai vu froisser un papier en boule. Prends-le dans sa poche. La nuit du 15 juin, une nouvelle dramatique de Claude Gével avait pour interprète Robert Murzeau dans le rôle du commissaire Fautral, André Vard dans le rôle de Monsieur Delfort, Rosie Vart, Madame Delfort, Philippe Mareuil, Jean-Louis, Roger Carrel, Fernand, Arlette Méry, Justine, avec Pierre Olivier, Marie-Jeanne Gardien, Gaëtan Jorre et André Laberti. Bruitage Gabriel de Rivage, prise de son Jean Delanduc, opérateur Charles Marié. C'est une nouvelle dramatique de Jean Lullien que vous pourrez entendre mardi prochain. Ses héros sont corses. C'est vous dire que cette histoire tragique est située sous le signe de la vendetta. Jean Lullien a intitulé sa nouvelle « Malédiction ». Petit courrier des amateurs de mystère et d'aventure. Les livres lus par Germaine Beaumont. Mes auditeurs se souviennent, je pense, de la série César et Jane par Delano Ames. L'humour, l'ingéniosité, la technique de l'auteur assurent à cette série éditée par la librairie Artem Fayard un succès mérité. Or, voici que César et Jane nous reviennent avec un nouvel exploit intitulé « Drôle de festival ». C'est en effet un drôle de festival que celui qui rassemble dans un pittoresque village pyrénéen non loin d'Andorre quelques mélomanes et quelques touristes auprès d'un claveciniste relativement célèbre, lequel s'est retiré du monde après le suicide de sa femme 15 ans plus tôt, le jour même de leurs noces. Or, César et Jane, ayant décidé d'explorer la région en tandem, arrivent exténués dans le village après avoir essuyé sur la route quelques coups de feu. Ce n'est pas la moindre de leurs émotions, car ils se trouvent mêlés aussitôt à divers drames d'amour et à une affaire d'espionnage. Et c'est un guépier qui exigera pour en sortir beaucoup d'astuces de la part de César et beaucoup de patiente philosophie de la part de Jane, sans parler du chien de l'hôtel. Un engageant bâtard nommé Fifi, lequel aura son wawa à dire dans l'aventure. Je ne saurais trop recommander ce roman très mouvementé, par moments très dramatique, mais toujours plein d'inattendus et d'esprit. Je répète son titre, Drôle de festival. Pour la drôlerie de l'esprit, ce qui n'exclut pas bien entendu quelques calamités, je signale, publié aux presses de la cité, un roman de A.A. Fair, qui est un pseudonyme de Earl Stanley Gardner. Ce roman de A.A. Fair se nomme « Une affaire en or » et met en présence les irrésistibles partenaires de l'agence Cool, c'est-à-dire la propriétaire de l'agence Bertha Cool, plus grosse et plus ladre que jamais, et le filiforme Donald Lamb, qui n'est encore que son employé.
Donald est engagé comme professeur de culture physique par un millionnaire américain qui voudrait bien savoir pourquoi sa fille unique et chérie signe à tort et à travers des chèques de 10 000 dollars. Inutile de dire que Donald a bien besoin des leçons de culture physique qu'il a lui-même reçues pour sortir indemne de l'aventure, laquelle n'est pas sans causer quelques émotions fortes à la majestueuse Bertha. Les rapports entre Bertha et Donald sont comme toujours hilarants. Les spectacles vus par Roger et Jean. Nous continuons à être submergés de films, mais la qualité ces jours-ci est rare. Pourtant, il y a deux ouvrages qui dépassent l'ensemble de la production de ce mois-ci, L'amore in città, L'amour à la ville et Anastasia. Anastasia est, on le sait, l'adaptation de la pièce de Madame Marcel Morette, pièce qui était assez médiocre, mais dans laquelle il y avait un sujet. Les adaptateurs, Arthur Laurent et Guy Bolton, ont accompli un travail vraiment remarquable et le film reste toujours attrayant. Outre l'adaptation qui est d'une grande habileté, il y a la mise en scène d'Anatole Litvak qui est, on s'y attendait, parfaitement réalisée. Mais en dépit de tous ces éléments favorables, celui qui les dépasse tous, c'est l'élément interprétation. Ingrid Bergman est admirable dans le rôle de cette princesse fabriquée et qui est réellement, en fin de compte, cette femme que l'on a installée en elle. Elle est à la fois royale et humble, et il se dégage de toute sa personne et de tout son talent, tant de sympathie et d'intelligente gentillesse. Ce prix de la meilleure actrice de l'année que viennent de lui donner les journalistes américains, elle l'a bien mérité, je vous le jure. Quant à son partenaire, Yul Brynner, il impose sa présence lui aussi avec une force irrésistible dans ce personnage de Pygmalion de Nuit de Prince. Physiquement, vous le connaissez, avec ce crâne si parfaitement rasé, qu'il est en quelque sorte un chauve au petit fer. Mais ce n'est pas dans une singularité physique, si exceptionnelle soit-elle, qu'il trouve les raisons d'être une vedette, comme le font tant de jolies demoiselles qui n'ont pour toute justification à leur situation brillante que des rondeurs ou des pointes acérées. Yul Brynner, lui, a peut-être un crâne à nul autre pareil, mais il a aussi du talent, beaucoup de talent. Et puis, il a un air prodigieusement intelligent, ce qui n'est pas toujours le cas de ces demoiselles. L'autre film à voir, et à voir à tout prix celui-là, c'est L'amour à la ville. Voilà une œuvre inégale, mais qui dans l'histoire du cinéma tiendra une place très importante. C'est un film à sketch, il y en a 5, chacune des histoires ayant été écrites et réalisées par un auteur différent. Nous retrouvons là 5 des plus grands noms du cinéma italien, de Zavattini à Lattuada, en passant par Fellini, Rizzi et Antonioni. Sur ces 5 sketchs, il n'y en a qu'un qui soit très faible, celui de Zavattini, intitulé « Histoire de Catherine ». Mais les autres sont remarquables, et 2, « Les suicidés » d'Antonioni et « Agence matrimoniale » de Fellini sont admirables. Avec « L'amore in città », on va à l'extrême limite du néoréalisme. Jamais aucun film italien n'avait repoussé aussi loin les bornes de la nouvelle école. Cela est même assez décourageant, car tout ce que l'on pourra faire désormais dans cette direction sera très au-dessous, en qualité probablement et en audace certainement, de « L'amore in città ». La radiodiffusion française vous a présenté Faits divers, une production de Pierre Véry et Maurice Renaud. Vous avez pu entendre ce soir une nouvelle policière de Claude Gével, La nuit du 15 juin, et le petit courrier des amateurs de mystères et d'aventures avec Germaine Beaumont et Roger Régent. Assistante Marie-Denise Vanda, réalisation Pierre Billard.